Québec, l'Imbal Network vous présente la toute première After Rock animée par l'ensemble instrumental, l'orchestre Voltanara. Je vous invite à me suivre à l'intérieur. Bonsoir. Vous répondez à quel nom? Bambou Girassi. Bambou Girassi. Ouais. Pourquoi vous êtes là ce soir? Ouais, parce que c'est l'After Rock au Baron et c'est relax. Ouais. C'est votre première fois? Non, je viens ici tout le temps, je viens tous les jeudis. Mais aujourd'hui c'est quand même spécial parce qu'il y a un orchestre qui joue et on n'a pas l'habitude de voir ça. Moi c'est Rachid, le co-manager de Voltanara. Ah, vous êtes le manager de Voltanara. Ok, c'est votre première fois ici? Ouais, c'est la première fois qu'on anime ici, grâce à la dame Marie. Marie, elle fait quoi? Elle est... Ouais, on travaille avec elle, c'est avec Cheikh Oumar qu'elle travaille. Donc, c'est pas la première fois qu'on fait des soirées ensemble, mais au Baron ici, c'est la première fois. Moi, c'est Camara Aïcha. Camara Aïcha, c'est votre première fois ici? Oui, c'est ma première fois dans ce concept, bien sûr. Dans ce concept, sinon il y avait d'autres? Oui, parce que tout le temps, il y a des after work, mais avec un orchestre et tout. Je pense que c'est de nouveau et que moi, j'adore, j'aime. Donc, j'invite aussi tout le monde de venir voir le nouveau concept que moi, j'adore beaucoup. Moi, c'est Camara Bambouzi. Comment appelé Bozi Saveur? Bozi. Saveur. Saveur. Et tout. Ok, vous êtes l'un des organisateurs de l'événement là. Ouais, After Rock, oui. D'où cette belle initiative? Bon, en fait, nous aujourd'hui, nous sommes venus ici avec l'initiative Live, avec Ondan Live. D'habitude, il y avait des After Rock et tout. Mais avec le Baron, c'est un nouveau concept maintenant. Nous avons ramené au Baron comme le boulevard Select, etc. Moi, c'est Sega, je suis journaliste. Enchanté. Vous bossez pour quelle session? Je suis le présentateur de Football Factory. Nous diffusons sur Espace TV, la RTG et d'autres médias guinéens en général. Vous êtes l'un des membres de l'organisateur de l'événement?
Oui, en fait, avec nous accompagnons Nimba Records qui initie cet événement qui est quelque chose qui permet aux gens qui travaillent de décompresser après une journée de travail. C'est la première édition aujourd'hui et je pense que vu ce qui s'y passe, ça va amener d'autres sessions et qui vont permettre à nous autres qui sommes sur Conakry de nous retrouver autour de la bonne musique avec du live dans un environnement agréable pour passer du temps, histoire de rentrer un peu plus tranquillement avant de passer du temps dans les embouteillages. Mieux vaut les passer dans une ambiance comme celle-là. Ça a été un grand plaisir pour moi de partager cette soirée. Rendez-vous à la semaine prochaine avec l'orchestre Wontanara. Sans oublier de liker nos pages Guinée Buzz. C'est ici là où ça se passe. Merci.